arrivé globalement, qui gagne et liaison à sa Jovenel, te vle fait sa Jovenel, te vle dit et ça fait Jovenel, te met Ariel, et pour qui raison li te met Ariel? Est-ce que vous pensez, Jodia, Ariel respecté? À qui pourcentage de respect de sa Jovenel te vle que Ariel est en train de respecter? Merci. Et pour question, et j'ai PVC, question en complexe, mais ma parole tout que question est profonde. Et mon idée, c'est chapeau moi, mon petit chapeau moi devant mon scoop et surtout mon gari pour tout effort fait, m'a suivi comme si je ne pas parler, et après, et la mort, président Jovenel Moïse là, pas pour Jovenel Moïse, mais pour nation, etc. Donc, merci. C'est très important. Et la situation, Ariel Henry, c'est président Jovenel Moïse qui est toujours prêt dans la question du dialogue, même si le dialogue est toujours difficile, il était toujours besoin. Fait ouverture. Il fait quasiment 4 ans et a parlé de dialogue et d'ouverture, de compromis, etc. Et avec tout le monde, le rejet, il continue à prêcher dialogue, ouverture et nécessité pour nous parler. Il a fait discours, il traite tous les opposants du frère Axel, etc. Ou elle toujours aimé commencer le discours, il n'y a pas frère Axel, il n'y a pas de diaspora. Et dans la diaspora, donc c'est parce que il connaît et unité qui se pose en Haïti, qui peut permettre que et ça n'a pas traversé là, quelle que soit la situation, quelle que soit quantité l'argent qui a gagné, ils sont pour nous toutes. Ils sont dans le monde pour nous toutes, traverser à n'importe quel côté, sous la planète là, Dieu, vous, Haïtiens, pour être à Dieu. Oh, les choses sont difficiles là-bas. Comment ça va? Vous tenez, vous arrivez à tenir le coup? Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de gloire. Mais on te met bien volume, diplôme, volume, l'argent, tout ça, on te gagne. On te met Chicago, on te met des gars, n'est pas arrivé dans le point de vue, mais bon, l'autre nationalité, et puis la gardeau avec condescendance. Donc, quel que soit, il faut y aller, des poussailles, Saint-Joseph, ou supposé concerné. C'est ça, Jovenel Moïse, s'il vous plaît. Il est de créer un apaisement, parce qu'il comprend que, et avec constitution, ça, il y a pas le pièce côté. Et si on est quoi que via Calancourt avec la constitution, ça, on continue avec elle, et puis ça m'a dit, je vais mettre le sous-coupe, la prêté, 30 ans après, on a parlé encore de ça. Donc avec la constitution, nous bien là, il n'y a pas le pied scouté. Jovenel Moïse, il y a le mourir, il y a des Jovenel Moïse, il y a besoin de sauver, échanger la constitution pour le faire être plaisir, mais pas là encore. Nous continuons le même discours, nous disons qu'avec la constitution, ça, il n'y a pas le pied scouté. Donc Jovenel Moïse, c'est quoi que, faut que nous ayons un compromis pour nous changer la constitution. Jovenel Moïse pensait que pour nous prendre le pouvoir, ce n'est pas 2-3 ans qui touchent à nos chambres d'hôtel qui vous dit que bon, tel mec, c'est qu'on peut me dire, débaptiser petitement, à nous mettre le premier ministre, à nous mettre le ministre. Mais pensait que c'est dans l'élection que nous prenons le pouvoir. Donc Ariel, il y a 2 missions. C'était organiser le référendum et puis organiser l'élection. Je dis, après quasiment 4 mois sous pouvoir, il n'y a pas fait une dans ça. Et dès que l'entrée, le premier conseil des ministres qu'il fait, et mettez premier point de désaccord que moi-même on se marrait jusqu'à ce que je ne pas collaborer avec Ariel Henry, c'est qu'il avait besoin de faire sa Jovenel Moïse de fait. Ça veut dire que au lieu pour David nous renforcer sa Jovenel Moïse a fait, première décision le prend, il était besoin d'entrer des traits que Jovenel Moïse n'était pas. Ouais, 3 mois après il pour entrer des traits. Moi-même comme mon monde qui était de bonne foi, parce que Pablis c'est moi qui fait arrêter Ariel Henry à poser le premier ministre sans président patient. Pour aller dans le moniteur sans président patient, mais justement, moi, on n'a pas là, donc son arrêté n'a pas été signé par rapport à la confiance, en fait, que nous avons, à la confiance du travail que nous avions avec le président, donc l'arrêté n'a pas été signé. C'est moi-même tout qui va formule, qui va pour Ariel Henry monter le gouvernement, le club qui est d'accord, qu'il a démissionné dans le poste premier ministre pour le venir. Donc, s'il dégaine le moindre problème, la moindre hostilité, vis-à-vis Ariel Henry, nous garantis, nous avons 50 000 formules pour nous dire que Ariel Henry n'est pas capable, Ariel Henry, pour que le président s'y arrête l'avant, l'arrêté a fait une sortie comme dit que coup de bac a sorti parce que pas gagné une formule, etc. Mais il était fait de bonne foi. Regardez le monde fait conseil des ministres là. Il dit que j'ai besoin d'entrer et d'écrire le journal Moïse apprend. Mais peut-être que ça, le journal Moïse m'a parlé, comme d'accord, dit le président souffert ça. Il n'a pas rapporté en tout monde politiquement, non? Alors moi, je dis à Ariel Henry, souffre ça, pas grave pour toi en Kenya politiquement, là, juste mettez Jovenel Moïse en face ou pour grand effet. Il dit non, c'est pas un débat sur ça, ça sont questions, sont irritants, il faut le retirer. Mais 4 mois après, il faut retirer irritant. Ça veut dire en fait qu'il n'avait pas la clairvoyance politique pour te comprendre. L'un te dit que pas laisser attaquer sa Jovenel Moïse a fait.
et c'est au contraire montrer qu'on a consolidé. Jovenel Moïse, c'est un paquet projet qui est en cours, Ariel Campé tout. Moi, je n'ai pas de directeur départemental, ce que je n'ai au téléphone tout le monde dans le pays, tout le monde qui est en situation de responsabilité. Moi, je n'ai pas de directeur départemental, je dis à la République, qui s'est fait sur Jovenel Moïse qui continue, tout campé. Moi, Ariel Henry, pourquoi ça n'a pas inauguré Central Carrefour fini? Il n'y a pas de réponse. Moi, Ariel Henry, pourquoi ça a une réserve de carburant qui est là pour être capable justement de faire Central Carrefour marcher pour démontrer effectivement nous carrément courant dans Port-au-Prince? Pourquoi ça ne pas faire? Donc, l'usine, au lieu pour essayer de travailler et pour essayer de chercher esprit, cultiver esprit, unité que le président Jovenel Moïse te voulait, l'usine, pour faire un groupe monde baisé. L'usine, au lieu pour essayer de chercher arrêter les gens qui impliquent dans la mort président, l'usine, l'usine se scoop pour des gens qui pensaient que pas qu'à tuer le président. Et puis après, nous trouvons que il n'était pas là avec nous. Donc, il vient créer un paquet irritant qui fait que, effectivement, je veux dire que tout le monde a posé question et tout le monde qui connaît, moi-même, je suis dans le Vénus. Je ne suis pas prêt à y venir le Moïse dans le jugement, je ne suis pas prêt à y venir le Moïse. Je ne suis pas Moïse et m'a toujours dit que faut que tout le monde qui a gouverné, qui voulait gouverner, faut qu'il y ait une situation pour être capable de faire enquête là aboutie pour que Jovenel Moïse en justice. Sinon, cité, à ce moment-là, nous venons en situation d'incompatibilité créé en situation très très compliquée. Là, et d'ailleurs, Ariel Henry apparemment pas respecté la volonté du président Jovenel Moïse. Peut-être dynamique politique là est capable d'exiger ça. Et qui chance Jovenel Moïse gagne pour la jeune justice? Parce que Jovenel Issio pape dans le gouvernement. Ariel Henry. Et Ariel Henry, pour qu'on parle, je ne parle pas de situation, parle seul type de légitimité qui gagne, c'est Jovenel Moïse, de son tout, qui a dit que il choisit lui pour premier ministre. Pour gouverner en démocratie, je vous donne une petite démocratie d'appliquer devant, pour en politique tout court, faut et nous avons légitimité. Légitimité à nous gagner. Plusieurs aspects. L'église a fait en fonction de l'essence où on a fait un bon sens, en fonction de qualité sans rien, comme sans ça, il pourrait disposer pour diriger. À ce moment-là, en fait, la naissance te donne tout trois le titre à gouverner. Ou bien, l'église a fait par rapport à la force, mais ça va exister pièce côté depuis le monde a existé. La force brute seule ne suffit pas à accorder la légitimité à quiconque. Je dis à la Rélanri, Nani, et le bénéfice du sang. Ariel Henry n'est pas un noble, c'est pas quelqu'un qui fait il naturellement il appelé à diriger, qui qualifie naturellement pour lui diriger. Ariel Henry n'a pas la force, puisque même la sécurité n'est pas capable de la population, même les pompiers n'est pas capable d'alimenter en carburant. Ariel Henry n'a pas la légitimité et populaire. Ariel Henry n'a pas été aux élections. Ariel Henry n'a pas été choisi par une frange de la population. Ariel Henry a la seule légitimité aujourd'hui que Jovenel Moïse fait son tweet, lui qui dit qu'il choisit pour premier ministre. Donc, je dis à cette question de partage de gâteau. Je suis un professionnel. Donc, nous devons vivre avant politique, mais toujours vivre après politique. Donc, pas dans quel rien que le fait, et les journalistes, nous qui réclament de Jovenel Moïse tout bon créé ou qui passe sous bloc pour chercher job, pas dans quel rien qui prend le fait ou d'accord que Ariel Henry écarte le mission. Que Jovenel Moïse est balia. Je dis à la question, ce n'est pas qui est Ariel Henry à mettre dans le gouvernement, qui n'est pas dans le gouvernement, c'est qui ça va le faire. Et si nous avons posé la question à la Kounia pour demander nous, qui est dans le pays à Kounia, qui est Ariel Henry pour le faire, qui est le faire, qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Donc même Ariel Henry pour qu'on parle, il n'y a pas qui ça va le faire, mais qui ça le faire. De quoi on parle. Donc quelle est la mission d'Ariel Henry? Qu'est-ce qu'il veut faire au juste? Il n'est pas capable de sécuriser la population, il n'est pas capable d'organiser le référendum, il n'est pas capable d'organiser les élections. Ce que Ariel Henry fait, je vous dis, c'est mettre gaz dans la machine, dans le cottage, et puis rouler, et puis rester bien pour moi. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il peut faire. À ce moment-là, on pourrait en parler. Mais je vous dis, là, c'est juste, aucun de toi n'est qui parle en pile, qui t'a représenté en Canada, d'ailleurs, pas jamais et réussi pièce élection dans le pays, hein, qui, non, totatrice totalement fallacieuse, ils ont été populaires et démocratiques. Ils ne sont ni populaires ni démocratiques. Et puis c'est eux-mêmes comme Ariel Henry, prenant bloc, qui pensaient qu'ils ont cadré Ariel Henry en légitimité. Mais ces gens-là, en fait,
ce sont des imposteurs. Des imposteurs qui disent que, eux-mêmes, pour qu'on parle, ils valent quelque chose. Ils valent parce qu'ils sont citoyens, mais ils ne valent rien en termes politiques parce que, en politique, c'est dans l'élection qu'on prend légitimité. Pour ça, il y a un recours à l'alité nexaïe, à traîner, à gauche, à droite. Et puis, il y a pour offrir le monde des merveilles, à ce moment-là, où il y a l'envie de son équité de la pénalité. Mm-hmm. Donc, on pose un pile question et par rapport à l'action Ariel Henry capable de poser. Et donc, un groupe politique qui estimait au ballon certaines légitimités et maintenant l'a mettait sous pied, hein, un nouveau gouvernement. Est-ce que nouveau gouvernement, ça, Renal, n'est pas capable de balayer une certaine légitimité pour commencer à poser des actions? Par exemple, il y a pour faire élection. Et il y a gagné pour pacifier le pays, hein? Un pays qui gangrené, vous comprenez? Donc, il y a gagné tout pour faire des travaux pour permettre la population lui-même de voir clair. Hein? Donc, est-ce que le nouveau gouvernement, ça, les papayes ont certaine légitimité pour Ariel commencer à poser des actions concrètes? Si le gouvernement est initié sur une base fallacieuse, donc les résultats ne seront pas au rendez-vous. Si je dis à Ariel Henry, peut-être qu'il a monté un gouvernement, sans l'IPA et mettre accent sur la question justice pour Jovenel Moïse, pour montrer que lui-même, pour qu'on parle, pour montrer que lui-même, l'IPA, dans qu'il y a un groupe, et puis pour montrer qu'effectivement, il y a une volonté pour lui arrêter tout le monde qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Là. S'il n'a pas montré que le bon volonté clairement affiché pour programme, pour chanter Jovenel Moïse, mettez sous pied, c'est pas pour être démettre, c'est pas pour Martin Moïse démettre, c'est pas pour Jovenel démettre pour peuple haïtien. Et Ariel montrer, je dis clairement, que le bon volonté pour continuer avec chanter ça. Il faut qu'il montre que clairement, il y a une volonté pour capable faire une rupture, et rupture là à passer par l'organisation du référendum, l'organisation des élections. Tout le monde qui pensait au fort aujourd'hui, là, moi, il dit toutes ces bouffées. Fort, c'est dans l'élection de Galouel. Donc, si vous pensez au fort, que vous avez arrangé, vous avez préparé, il y a une élection à ce moment-là. En fait, à l'issue des élections, on saura qui est démocratique et qui est populaire. Aujourd'hui, on a juste des bouffeurs, mais quand chercher du job à pop. Donc, quand chercher du job à pop, désolé, ça n'a pas inspiré pièce, mais nous respect, pour ne pas chercher respect, on a démocratie, parce que dans la démocratie, job à pop, pas qu'à lui-même qui dit l'action. Je veux dire, là, si il y a un job à pop, tu vas avec. Si le papa a eu le job, il va avoir le job, il va avoir. Si on sait qu'on s'en est allié, eh bien, on va garantir qu'il doit gagner seulement. Et si il y a eu, c'est en fonction de qui s'en va aller, c'est ça lié à lui, ou si le papa a eu, il va aller, ou si le papa a eu, il va aller, à ce moment-là, en fait, c'est un marchandage. Donc, nous, on ne veut pas entrer dans ce jeu de marchandage. Notre petit Ariel Henry fait marchandage avec soi-disant allié, il m'a dit que qui ça Ariel Henry va le faire, il y a qui ça le blesser, qui va le café. Donc, on est capable de discuter autour d'un projet, non autour de poste et du gâteau. Bon, et il est un fait certain, Renal, et Ariel Henry, gon paquet hommes et femmes politiques qui alliés ensemble avec lui, et Mounzao, ils sont avides de pouvoir. Ils étaient dehors depuis bien longtemps. Donc maintenant, c'est le moment, yo jeune brèche, hein, pour yo fourrer tête et pour voir qu'ils sont capables de refaire en santé politique. Donc, maintenant, c'est le plus grand malheur d'Haïti. Est-ce que, ma question, est-ce que Ariel lui-même s'est trahi volonté président Jovenel Moïse, ou du moins, lui obligé d'adopter un autre comportement qui est tout à fait contraire par rapport à la volonté du président Jovenel Moïse par la force des choses? Ariel Henry trahit Henry. Donc, parce que Ariel, le président, n'a pas le métier, le premier ministre. Quand le président est fait, il fait conférence call systématiquement, avec tout proche collaborateur, avec tout le monde qui pensait qu'il était capable hostile avec Ariel. Il dit, monsieur, c'est Ariel m'a choisi parce que Ariel m'a qui mission de Bali. Est-ce qu'Ariel, aujourd'hui, a gardé tête dans la glace pour dire qu'il n'a pas trahi Jovenel Moïse? Bon, quand il y a nous, Ariel a cité dans la mort Jovenel Moïse. Quelle honte! Donc Ariel Henry en fait trahi. Il a trahi. Ariel trahit Henry. Donc je dis à la situation côté que ça t'a pour bailler Ariel en légitimité, c'est qui ça va le faire pour permettre qu'il y ait une autorité légitime qui vient dans cette état. Mais Ariel n'a pas de légitimité lui-même. Donc il pourrait poser des actions. Grâce à ces actions, et on pourrait
espérer l'arrivée d'hommes et de femmes dotés d'une certaine légitimité qui est capable d'adresser les problèmes pays. Nous avons un pile monde qui a dit que le pays a un problème, nous donne pas à l'élection. C'est le déni même de la politique. À quoi sert la politique? C'est résoudre des problèmes. Donc, si vous n'avez pas de problème, c'est l'éable, justement, au besoin d'un monde qui a légitimité, qui soit dans l'élection. C'est parce qu'il y a un problème qui va pas changer le stade dirigeant. Et pour changer le stade dirigeant, vous allez changer. Je m'a toujours dit ça. Même si tu as gagné une seule possibilité pour un grand monde à aller pour le décider lui-même comme membre qui sort de la population, je m'a toujours dit même ma gueule. Personne n'a pas de légitimité. Là, c'est du 3 ans, il nous fait qu'il est dans l'hôtel et Port-au-Prince qui met tout. Situation exceptionnelle, nous comprenons ça, mais toute action qu'a posée aujourd'hui, qui peut aller dans le sens pour permettre que le monde va venir diriger, ou bien légitimité populaire, c'est action qui est allée à l'encontre du principe même démocratie, du principe même politique, du principe même vivre ensemble, du principe constitutionnel que nous avons là. Je veux dire là, c'est pas Ariel Pata qui a parlé de partage de gâteau, qui a supposé dire mais qui ne va le faire. En fonction de qui ça va le faire, on connaît qui type de monde qui a pris pour aider le faire ça. Donc si vous parlez d'un projet, soit un programme, soit qu'on ne peut pas le faire, si on fait qu'on est qui au sous une nous besoin. Donc c'est le gâteau qu'on va le partager. Donc nous pas dans dynamique partage gâteau. Il faut que nous connaissions clairement qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il est d'accord pour mener le pays dans un référendum, dans l'élection? Est-ce qu'il est d'accord pour arrêter l'assassin Jovenel Moïse? Est-ce qu'il a protégé? C'est ça nous besoin qu'on ait. On ne va rien répondre à ça. Mm-hmm. Et alors, M. Libéris, il y a deux monde là qui commençait à poser des questions. Si Ariel Henry mettait campé en gouvernement sans et Jovenel Issue par la donne, il y a deux monde qui m'a dit tête, à qui ça doit attendre? Bon, et rassemblement et journaliste pour démocratie, Baïtetli, il y a deux missions principales. Première mission, hein, c'est permettre que le journal biche que ce n'est pas normal pour condition de l'innocence en plus en Haïti, condamné, lui décide de qui sort bien tout ça. Donc si WAP X ou WAP Y, 100% des coûts fait, ce n'est pas normal. Nous ne pas société comme ça encore au 21e siècle, dans une société qui a une seule valeur, c'est l'exclusion. Ouais, je veux dire, nous tous cas parlons ensemble là, tous les qui sont à toi, nous tous c'est des miraculeux. C'est en fait, qui sortent de des milieux sociaux, normalement, condition première, c'est condamné nous pour ne pas parler là. Ce sont des miraculeux qui font qu'on peut, à travers des efforts individuels et des événements fortuits, qui fait nous vivre là. Société ça, pas qu'à continuer. Société ça, pas qu'à qu'un. Je veux dire, quel que soit ça n'a fait là, quel que soit le mouvement qu'a fait dans le pays, je veux rester à positionner par rapport à la question ça. Par exemple, qui ça, nous qui vivons les gouverneurs, bien dans Jacoutio, pour permettre que la question exclusion ça est finie. Qui ça, est-ce que je dis à la fête quoi, il y a comment se faire là, par exemple, je ne prétexte pour capable de retourner par gaz là, par oligarque, Jovenel Moïse, par ville, conseil de programme politique, quoi, conseil de éléments, il pense que c'est eux-mêmes qui sont fondamentaux pour changer le pays. Donc, sur tous ces journalistes, il faut contribuer pour ça, il faut matérialiser. Donc, il faut que nous contribuions pour nous connaître, je dis à en Haïti, nous pas qu'à tuer. Parce que là où tu es Jovenel Moïse, même là, Jovenel Moïse, n'oubliez qu'il est tout ça. Est-ce que vous savez pour qui ça a tué Guido Toussaint? N'oubliez Robert Marcelo. Est-ce que vous savez pour qui ça a tué Robert Marcelo? Ça veut dire qu'en fait, chaque monde qui essaye, c'est un bagaille qui est capable à l'intérêt de la population, qui est capable de dire que l'élite pour nous qui sont côté pas de nous, les gens qui pas de nous, pour jouer dans l'autre bagaille, nous tuons. Donc, vous tuez Guido Toussaint parce qu'il s'est réformé BNC qui en faillite. Parce que tu as réformé BNC, tu as mis BNC dans une banque qui est capable de faire compétition avec l'autre banque privée. Parce que tu as mis des programmes qui te permettent que nous, notre classe moyenne, tu as joindre et l'argent prêté pour son caille ou bien pour son business. Donc, Robert et Guido Toussaint n'ont pas mérité de vivre. Tu as tué Robert Marcelo parce que l'idée dit que ce n'est pas normal pour les commissions, passation, marché public là à fonctionner sous base de pas. Tu as tué. Il tue Jovenel Moïse parce que ce n'est pas normal pour un petit groupe de monde qui a des économies pays en otage. Donc, on a quitté au tuer tout le monde net qui dit non, ou bien on a dit que je dis à nous tous mettre ensemble pour nous dire non. C'est ça que j'ai dit Jovenel Moïse, c'est ça RDJ et RJD Abdéphone, et nous pensons que Haïtien conséquent a intérêt dans ça.
En clair, Renal, est-ce que nous prenons, par exemple, et Jovenel Issio est constitué en une opposition en face à Ariel Henry, si toutefois le gouvernement a monté sans eux-mêmes? Nous parlons dynamique de partage de gâteau. Mm-hmm. Nous dynamique de et programme. Par exemple, nous besoin qu'on ait pour qui ça, tout chantier président qui commence, pour qui ça au campé. Nous besoin qu'on ait, par exemple, pour qui ça et barrage sous et rivière massacre là pas continuer. Nous besoin qu'on ait pour qui ça central Carrefour pas inauguré. Nous besoin qu'on ait pour qui ça direction départementale de la République pas continuer de travailler. Nous besoin qu'on ait pour qui ça population Grand Sud là abandonnée après tremblement de terre. Pour qui ça nous donne toute notre répète, nous parler de toute bagaille, sauf de monde ça qui perd des cailloux, si nous qui sommes en situation en fait déplorable, nous qui sont victimes de tremblement de terre qui comparable avec ça nous était vivant en 2010 là, mais n'oubliez pas rapide parce que c'est en dehors, parce que vous pas dans vraie république là, parce que si c'était Port-au-Prince nous pas tablier comme ça parce que nous pas tant que nous pas et nous pas obligé pencher sur nous. Donc nous dit que nous pas qu'à continuer faire en Haïti à plusieurs vitesses. Donc c'est ça qui est cheval de bataille pas nous, c'est pas battre la patate gâteau. Nous tous nous on travail, nous t'es habitué travail avant on a continué travail. Nous besoin gagner en dynamique côté que effectivement les situations nous nous a changé. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est pas de si vous venez ça dans pouvoir pas dans pouvoir, c'est pas ça. Question, c'est qui ça a fait concrètement pour améliorer les conditions de pour chanter Jovenel Moïse continuer. Mais pour qu'on ça, et Renal, il faut qu'on un canal de communication qui est établi entre Jovenel Issio et Premier ministre Ariel Henry. Donc, si pas qu'un canal qui est établi, un canal de communication, qui en n'a fait comprendre que, qui ça Ariel gagné comme vision, qui j'en parle, est-ce que la possible avec idée et président Jovenel Moïse, est-ce que la voyager sur rivière Massacre, barrage Marion qui s'est fait, et programme électricité, programme route, donc faut que nous communiquer. Est-ce que par exemple, il y a une tentative qui fait pour que nous communiquer dans ce sens-là? Et le meilleur canal de communication qui existe, c'est même ça qui existe pour la population, c'est en fait le lever le matin, Manuel nous a dit des journaux loi, et puis nous connaissons qui ça bien la donne. C'est déjà pas mal comme canal de communication. Maintenant, Ariel Henry a une attitude hostile par rapport à Jovenel Moïse. Par rapport à Jovenel Moïse, qui fait le premier ministre, parce que tu as besoin de premier ministre sans Jovenel Moïse, parce qu'il n'est pas capable de gagner une élection en Haïti. Donc, il a une attitude hostile, à ce moment-là, nous qui avons une hostilité là. Bon, pour qu'on parle, et puis nous-mêmes, nous continuons à demander justice pour Jovenel Moïse, nous continuons à faire bagage pour éviter qu'on fasse des criminels, je dis à tous ces eux-mêmes qui viennent avoir un chapitre sans ne pas répondre à question de la justice. Donc tout le monde, je dis à qui contribue à un citoyen ou l'autre pour permettre que vous appréhendez le monde qui est indexé dans la mort Jovenel Moïse, nous disons bienvenue, nous travaillons ensemble avec vous. Tout le monde a fait obstacle, dont Ariel Henry, nous pas d'intérêt et a peut-être l'un avec eux parce que il n'a pas allé dans le sens sa population a besoin et de faire la vérité sur le mot Jovenel Moïse. Si nous demandons depuis en Haïti là, depuis Ariel Henry, notre premier ministre là, combien de monde qui demande à elle arrêté au Cadim? Parce qu'Ariel Henry finit pour protéger. Par exemple, Paul Denis demande à elle, côté. C'est le numéro un parti Ariel Henry. Pour ça, Ariel Henry Padil, en tant que bon ami, mon cher au bon monde d'ailleurs, à répondre que son la justice, au moins, on va laver l'honneur. Nous, on est dans un système démocratique. C'est pas parce qu'il accuse un monde qu'il faut avoir tort. Mais nous, on accuse un monde comme ça. Nous, une situation non magnifique, beauté que l'accuse au monde qui sont là, mon président. Donc, on pourrait un ministre pas casier pour lui, juste casser fait pour nous ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de qui est-ce qu'on a parlé avec Ariel Henry pour lui, qui pour la poste, non pouvoir pas la poste. Nous, besoin qu'on est concrètement, qui ça a rien à lui faire pour permettre qu'il arrête même qui est indexé dans la mort président. C'est la justice, son juge a dit qui est coupable, qui est pas coupable. Mais pas dit qui est même coupable. Mais nous dit que nous qui est mandat derrière, il va faire une contribution à la justice. Mais pour qui ça, selon vous-même, Ariel Henry développe une attitude hostile envers Jovenel Issio? Si Jovenel Issio a demandé justice pour Jovenel Moïse, si justice ça a été Ariel Henry. Et en toute logique, il faut l'hostile. Si Jovenel Issio dit qu'il faut qu'on continue avec le programme qui a besoin de retirer et l'État en bas griffe au groupe que le président a réglé ou le gap corrompu.
si le groupe Mounsaou fait aller à Ariel Henry, c'est sûr que il va dire ouais et je vous dis tout. Si le journal Moïse n'est pas normal pour le TNC, pour nous appeler dans le champ Kayap, pour ne pas gagner une route pour transporter dans la rue ou faire dans la section communale, il n'est pas normal, il faut que la situation a changé. Donc ça, en fait, il y a besoin pour gagner une production nationale qui est capable de permettre que nous nous vivons de faire produit. Si là, ça n'a pas d'intérêt à Ariel Henry, c'est sûr que la compte de qui dit c'est journaliste. Il faut regarder concrètement à travers des faits pour connaître pour qu'il soit tel ou tel monde positionné dans une force ou bien dans l'autre. Mais il toujours dit à travers les médias et Renan Luberi, c'est il croit que lui-même la bataille pour ancien président Jovenel Moïse en justice. Et lui-même n'a pas gagné aucun lien dans l'assassinat du président. Et tout ça qui est possible pour le faire et pour le président joindre justice, la fait. Est-ce que son parole pour la consommation? Et parole pour faire et tout le monde remis. On est dans le but de tout le monde fait toutes sortes de promesses. Nous n'avons pas besoin d'aucune action concrète. Nous n'avons pas besoin qu'Ariel Henry donne nos paroles. Nous devons qu'Ariel Henry présente la population comme un monde déjà l'arrêté, il y a un mandat derrière, mais qui est impliqué, depuis le premier ministre, il a arrêté en Haïti là. C'est ça nous besoin comme action. À partir de ce moment-là, nous-mêmes avons une source pour nous dire, ah, même si pour Magala, on nous suivit, nous commençons bien avancer. Il faut qu'Ariel Henry montre nous un programme pour Jean-Jovenel Moïse qui est en cours, qui est bon agent, comme vous voyez, dans chaque direction départementale. Je dis la première fois, depuis très longtemps dans l'histoire pays, toute direction départementale est équipée. Ou pas qu'on n'est pas bien plein pour déployer route dans le Grand Sud. Parce que direction départementale doit être équipée, direction départementale sud équipée, direction départementale sud-est équipée. Donc ça, c'était une idée de Moïse. Qu'on y a pour mes lèvres aussi équipées, que vos actions, il faut que vous ayez l'argent. Jovenel Moïse peut et fait, nous voyons, on l'agent régulièrement, chaque fois, chaque mois, sous direction départementale. Qui fait que les gens qui vous perdent dans cette communale, les gens des actions concrètes qui vous faites, vous faites. Il faut qu'Ariel Henry a dit non, si vraiment pour Jovenel Moïse, il a dit non, pour ça, ça va camper. Ça passe de là. Il faut qu'Ariel Henry, comme qui est-ce, qui fait Jovenel Moïse, ça fait, parce qu'on entend les radios, même si ça travaille pour Jovenel Moïse. Il faut entendre les radios, il faut des chantiers, des combats que Jovenel Moïse a. Ça peut mener. Il faut qu'il agisse concrètement, qu'il fasse le bien pour combattre et continuer. À ce moment-là, on a dit qu'effectivement, il est du camp de Jovenel Moïse, mais je dis à Ariel Henry est dans le camp, en fait, en face, c'est-à-dire en fait, quand il est contre population. Et maintenant, nous connaissons le dossier assassinat et Jovenel Moïse là. C'est un dossier qui gagne plus d'importance pour nous-mêmes, Jovenel Moïse. Est-ce que jusque-là, nous satisfaits de l'avancement qui gagne dans le cadre d'enquête qui a mené sur le dossier-ci là? Non, nous ne pouvons pas dire satisfaits. Nous encourager chaque autorité qui assume les responsabilités de CPJ et juge d'instruction, chaque monde qui assume les responsabilités. Mais nous étonnés que nos équipes nous qui est mandat de l'EU et qui a circulé libre et jusqu'à présent en Haïti. Nous étonnés que depuis Ariel vient pour un ministre là, il y a un volume de supposé répondre aux questions de la justice qui parle pas aux questions de la justice. Donc, nous pas satisfaits parce que ça fait 4 mois quand même. En 4 mois, en pile d'arrêt est supposé faire. Donc, mais c'est pour raison pour nous défier les droits, on a continué à demander justice au Jovenel Moïse, on a continué à encourager chaque grand haïtien et en situation de responsabilité ou en situation de citoyen qui croit dans la nécessité pour bien justice pour Jovenel Moïse. Parce que, il y a une règle là, où on est parfois, ils vont pas qu'être nos compatriotes, ne pas penser très loin, ils pensent l'immédiateté. L'immédiateté, généralement, c'est le ventre. Pas plus loin. Mais je dis à un mec qui peut être sans tout confortable que entrer des étrangers impliqués dans l'entrée assassiner un président en Haïti. Mais demain matin, on va faire politique, on va venir sous pouvoir. On va venir sous pouvoir, on va venir monter au style avant tout. À moins que vous avez décidé de faire rien. Mais vous avez décidé de faire une action qui a un rapport avec l'intérêt de la population, donc qui allait à l'encontre de l'intérêt qui est l'économie pays à l'année. Et à ce moment-là, il y a embauché un autre groupe étranger qui l'a assassiné tout. Donc tout le monde qui a fait politique, qui a réfléchi, qui était avec Jovenel Moïse, qui était opposant Jovenel Moïse, ont bien été là aujourd'hui pour montrer que si à la vie, il a décidé d'assassiner un ministre, un premier ministre, un directeur général, un président, il y a arrêté, il y a jugé en Haïti.
à ce moment-là, son signal fort que vous voulez, non seulement les Haïtiens qui pensent que le crime nous permet de résoudre différents politiques, mais son message fort trouvé dans la région, à côté que vous avez des pays qui ont des intérêts antagoniques avec l'intérêt pas nous. Qui a pensé que ça a tué les yeux sur ça, parce qu'on pile là de tuer les yeux sur l'assassinat de Jovenel Moïse, et on est préparé au qui s'est passé, ou bien qui est capable de participer à la planification. Donc, n'importe qui prend son, il réfléchit deux secondes en Haïti, quel que soit le positionnement politique, il a supposé, à moins que le parti soit un assassin, il a supposé à militer, je veux dire, pour justice faite autour de la mort de Jovenel Moïse, pour toute la lumière est faite autour de justice et pour Jovenel Moïse. Gain ancien commissaire de police, Gilbert Dragon, il y a un suspect dans l'assassinat de Jovenel Moïse là, qui lui-même était en prison, qui mourit et à cause d'être présenté des symptômes qui étaient semblables et à des symptômes de COVID-19. Il y a un mort qui, d'après un peu le monde, paraît suspect. Qu'est-ce que la mort, s'il n'a pas besoin? Il y a une parole qui a dit autour de ça, notamment des gens qui disent que et pour montrer jusqu'au côté il y a qui dit que il a semblé que c'est exfiltré et là dans la prison pour être capable de parler. Mais quoi qu'il en soit, c'est que lui pas normal pour nos prisonniers qui est en prison, donc en fait qui n'a mais autorité, qui est dans une situation côté nécessité soin pour ne pas aller tout soin que les besoins qui est les nécessités pour permettre que vous suivez la ville. Parce que tout ça a dit, parce qu'on a été son pays qui n'a plus ou non tout, donc on va confirmer et tout ça, mais il t'a semblé que tu as deux mondes qui étaient faits pour permettre de soigner lui, et puis il n'a pas accédé à deux mondes jusqu'à ce que les villes dans une situation critique, côté que l'heure évacuée de prison, dès qu'on est trop tard. Donc il n'est pas normal, parce que nous, nous avons besoin de faire un pays, nous avons besoin de faire une démocratie qui respecte des normes, qui respecte les droits mondiaux. C'est parce que nous l'avons accusé. Non, non, moi, Jovenel Moïse, il y a une prison, il n'y a pas de droit. Donc, il y a un droit à la vie. Il y a un droit pour un traitement qui est digne. Donc, si nous sommes en prison, les malades, les en situation qui nécessite un soin, il faut que nous avons un soin. Donc, et moi, comme tu es en position personnelle autour de questions, c'est déplorable. C'est déplorable pour, déjà, c'est déplorable pour l'enquête. Parce que c'est bon, qui est. Et puis qui à ce niveau-là, dans l'assassinat, et puis qui mourit, en fait, peut-être, il y a pire information de la justice pour permettre que l'éclaircie et notre là, et puis nous n'en mourir. Mais deuxièmement, tout, c'est déplorable pour type de traitement, nous baillons nous dans santé casserole. Et qui sont, et Jovenel Issio comprennent les actions de Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères, ses sorties diplomatiques et son engagement par rapport au combat pour Jovenel Moïse, jeune justice. Et Claude Joseph est arrivé et vient collaborer avec Jovenel Moïse quasiment dans la deuxième partie, plus ou moins quasiment, et dans la deuxième partie, plus ou moins fin mandat. Mais Claude Joseph fait preuve lui, il fait preuve lui de loyauté envers Jovenel Moïse, et parce que c'est fort de cela que Jovenel Moïse a décidé de mettre le premier ministre à I. Nous, je dis assez. C'est deux voix et Claude, pour continuer, c'est ça, Jovenel Moïse, t'as pas attendu de lui. Nous garantit que Jovenel Moïse, il était vivant, il va pas attendre un autre bagaille de Claude Joseph, tout comme tout, il va pas attendre que, pour me décater mes jobs, on va copier avec Ariel Henry, que aussi non dans la mode. Donc, bon, c'est de monde qui est avec Jovenel Moïse, quand même, qui gagne certaines valeurs, et m'espérer que notre monde qui gagne valeur a continué. Et même ça, on a supposé faire si Jovenel Moïse est là. Comportement, bien, je dis, dans la mort de Jovenel Moïse, il n'y a pas de différence si Jovenel Moïse est vivant. Donc, Claude Joseph, c'est deux voix, lui, en tant que ancien collaborateur de Jovenel Moïse. Et parce qu'à moins que Claude Joseph, ça a un Ariel Henry. Parce que Claude Joseph, lui, sorti côté de sortie, il était dans la diplomatie, après, il finit ministre, après, il est pour un ministre. Donc, que l'Iran, Jovenel Moïse, a le débat. C'est Ariel qui ne peut pas prendre Jovenel Moïse, c'est Jovenel Moïse Bali là. Parce qu'Ariel ne pourrait jamais être premier ministre si Jovenel Moïse n'avait pas été président. Or, je veux dire, le comportement Ariel Henry est totalement décevable. Décevant. Est-ce que dans l'éventualité
et s'il pas reconduit comme ministre affaires étrangères, nous même comme Jovenel Lissio, n'a pas pris un gros coup. Nous pas discuter de destin de son personnel et chaque individu. N'a discuter de et direction programmatique qu'on gouvernement supposé prendre et ça un gouvernement supposé gagner comme responsabilité. Nous pas discuter de nous qui tout monde qui cherche job des monde qui est tout démocratique à populaire qui a discuté ça job à comme. Nous pas discuter de job à comme. Nous discuter des directions, nous discuter des programmes. Donc si ces programmes, si ces directions qui s'en a fait avec pays je dis à deux mais après demain oui, on sera là. Si vous discutez qui est sur un type job qui est capable de faire un tel job et nous voilà. Est-ce que une différence entre et les jovenelistes et via Martine et jovenelistes via Michel Martelly. Et Gaïou, tu es particulièrement silencieux, ça te passe tout à coup réveillé pour la grosse tout coup de bain et ça bim. N'absurde. Et ma femme en confidence de on suit son bagage de Moïse, c'est mon sujet de madame. Le basson de fonction, j'ai eu groupe madame n'était poté et dans l'investiture là dans le Parlement. Et puis, ça fait un tollé en Haïti, regardez nos réseaux sociaux enflammés, etc. autour de Rob et Martin Moïse Potter. Et puis, malé et côté journal Moïse, nous dit président, nous n'avons pas en pile de questions Rob, ça va rien, ça. De mon cher, c'est un Rob madame mon poté, mais un Rob moi. Il n'y a pas de pièce, mec. Et doit pour discuter de Rob madame. C'est moi le président, c'est moi pour dire Rob madame moi belle, c'est pas belle. Si moi Rob la belle, et c'est qu'elle belle. Et tout le monde a accepté qu'elle belle. Deux fois, je protéger madame moi, je vais faire des exaïos qui ont tiré par quatre coins. Ça me le dit, évidemment, tu as protégé Martine s'il était vivant. Mais on a dit là, c'est nous avons deux voix pour nous protéger Martine, nous avons deux voix pour nous protéger Jovenel, nous avons deux voix pour nous protéger Jovenel, nous avons deux voix pour nous protéger et Jean-Marie. Donc, c'est-à-dire en fait, et je veux dire, dans une situation côté première. Martine Moïse. Oui, c'est la dernière. première victime, je veux dire, c'est Martine Moïse. Donc, si nous faisons un mouvement jovenéliste qui pour protéger et idée Jovenel Moïse, ce mouvement-là ne saurait. Et à l'encontre de Martine Moïse en tant que personne, ou bien Timon Jovenel Moïse, ou bien qui proche Jovenel Moïse. Donc il n'y a pas d'hostilité, il ne saurait y avoir d'hostilité vis-à-vis de Martine Moïse. L'autre question, c'était HCK ou bien Matéli? Les deux à la fois. Les deux à la fois, bon. PHCK, nous avons eu l'occasion de dire déjà, nous-mêmes nous gagnons, nous prenons distance non totale par rapport avec PHTK, par rapport avec comportement, attitude PHTK. Pendant 4 ans, Jovenel Moïse là, PHTK seulement présent, le Jovenel Moïse a fait partager gâteau. Monter gouvernement by poste. Monter gouvernement by COB, etc. PHTK présent. Moment de difficulté, PHTK totalement absent. C'est pas la conception ça, nous gagne de politique. Nous avons une conception qui est plus noble de politique que la conception PHTK dans de politique, en fait, qui réduit politique avec partager gâteau. Et comme gâteau a petit, donc PHTK est toujours frustré parce que PHTK estime que tu as supposé un doute. Donc c'est pas idée ça à nous faire de politique. Politique trop noble pour nous réduire à ça. Donc nous avons une distance nous, totale par rapport avec PHTK. Martelly. Bon. Martelly, Jovenel Moïse, c'est en quelque sorte un produit de Martelly, même si Jovenel Moïse vient avec sa liée, sa représentée dans le pays. Mais Jovenel Moïse, c'est un choix que Martelly fait. Nos situations de parcours dans le désert, même moi, Jovenel Moïse, c'est fait parcours par là dans le désert pendant 4 ans. Parce que Martelly a choisi Jovenel Moïse. Puis il faut que les gens PHTK, tu es contre Martelly. Et puis il faut que les palais national, tu penses que le choix et Martelly, c'était un mauvais choix. Un mauvais choix. Parce que Jovenel Moïse n'a pas des caractéristiques sociales. Au contraire, des mouns même qui t'a dit quand on prend le barré avec paysan ça, des mouns qui étaient très proches Martelly, qui viennent par la suite à genoux devant Jovenel pour origine monsieur pour côté de sorti au moment. Absolument. Donc moi-même c'est le samba qu'on a fait une occasion de poser à Martelly ça, mais ça me dit que Martelly a en lui quelque chose que les gens de Port-au-Prince n'ont pas. Même des gens de Port-au-Prince, là, on parle de petit groupe, on qui pense que c'est Haïti.
Et je pense que caractéristique sociale par eux, supposé caractéristique sociale tout haïtien. Et si d'autres haïtiens n'ont pas une caractéristique sociale par eux, ça veut dire en fait, ils n'ont pas haïtien, mais ils n'ont pas même, ils n'ont pas monde. Donc, nous pas ça, supposé, nous pas gagner, et nous pas gagner pièce hostilité envers Martelis. Maintenant, la question, elle doit être politique. Je dis, même si vous allez me dire qu'il y a un gros silence depuis tout à l'heure dans l'émission, Martelis a un silence aussi autour de sa PHTK fait, il n'est pas positionné autour de ça, autour de temps en temps, chaque mois, ils font tweet autour de la mort, autour de la question de la justice. Donc, nous avons besoin d'engagement président Martelis, plus, même j'en ai demandé ça, pour justice pour Jovenel Moïse. Parce que c'est à partir de l'engagement Martelis pour justice pour Jovenel Moïse qu'on ne peut pas être mettre des lois qu'on n'a pas capable de tuer. Exactement. Il doit s'engager, il doit se positionner par rapport à l'attitude PHTK clairement et puis pour tout le monde connaît que dans le combat pour justice pour Jovenel Moïse, il y a des paladins. Vous ne pouvez pas me poser une question parce que c'est sous forme PHTK qui a attaqué. Quand je fais une analyse, je dis que je cite quelques monde qui étaient gourmés pour justice pour Jovenel Moïse et je dis carrément PHTK n'a pas la donne. Donc PHTK a joué, pas qu'être nègre qui a joué, peut-être ça me bien content. Que vous faites même lecture avec vous. Donc, n'a pas avancé Kounia. Rénal, dis-nous, est-ce que dans le mouvement Jovenelis, là, nous de la Chita, nous capables de dire que Martine a candidat? Non, je veux dire, dans le niveau mouvement, même qui ça nous mettait accent sur lui. Nous mettons accent sur la question de justice pour Jovenel Moïse, mais chercher un criminel. Et je pense que c'est le monde qui est dans le mouvement, qui a une expérience politique ou bien une expérience académique de politique. Pas une élection. Quelle élection a faite? On ne sait pas. Quelle élection a faite? Bah, un candidat. On ne sait pas. Bon, donc la question c'est qu'en fait, il faut une CEP, il faut programmer. Ariel retire le CEP à deux manières, unilatérale et pour être capable de mettre vos élections au calendrier. Donc je dis à n'importe qui qui est vraiment comprendre la dynamique politique en Haïti, c'est pas question candidature pour régler Kounia, c'est question justice pour Jovenel Moïse. Et puis l'élection programmée à ce moment-là, évidemment, on devra choisir, puisque on sait de points importants, on a parlé de Kounia, pour qu'on s'arrive à matérialiser, ça n'a dit idée Jovenel Moïse, eh bien, il faut qu'on candidat qui est en situation pour potelle. Nous dire, nous pourquoi là, nous pourquoi la question et candidature, nous la question justice pour Jovenel Moïse. Ok, une de trois questions est claire, Rénal. Depuis qui l'on parle à Martelly? Rénal, prenson, vous avez tout le temps prenson. Et monsieur, et vous? C'est que je parle de ce type de. Parce que la conversation est assez personnelle, mais. Et nous pas échanger dans notre comme on a dit. À l'inverse, ça passait très longtemps qu'on s'est parlé en fait. Et c'est question d'heure. Ok. Donc, est-ce que tu peux dire autant pour Martine avec Michel Martelly? C'est-à-dire. Est-ce que tu peux dire autant pour Martine? Non, je ne sais pas. Ah, mais c'est quand même grave que tu ne sais pas. Tu veux parler? C'est quand même grave que tu ne sais pas. Non, attends. Parce que non, attends, un moment. Attends un petit moment, Renal, attention. Martine Moïse, première dame de la République, Marie Moïse, Jovenel Moïse, que Michel Martelly t'a choisi pour tuer président noir, la CAEL. Ou même, je vais même poser une question sur la Martine, parce que je sais. Mais comment se fait-il que tu ne sais pas si ancien président n'est pas la Martine? On fait de la politique. Non, alors, je ne vais pas parler d'actuellement. Attends, Gary. Oui. Donne-moi une image publique côté président Martelly ensemble avec ancienne première dame Sophia Martelly, t'as allé Mupana a salué famille et président Jovenel Moïse qui est pleuré et une image assez publique. Donc c'est sûr qu'après la mort, donc ils se sont vus, ils se sont parlé. Maintenant, par contre, qui fait quand je parle, par contre, qui dernier fois parler, ça ne peut pas répondre. Mon cher, où sont-ils intelligents? Ou intelligents? C'est vrai. Ma prenne pour un compliment, il y a ici, on vous dit ça, ma prenne pour un compliment. Oh, c'est un compliment, on va te prendre. Écoute, Jovenel Moïse m'avait toujours confié, par contre, il t'a dit, lui, bon, évidemment, si Jovenel a dit un bail, il a dit plus toujours. Que Zéphirin était son bras droit, il considérait Zéphirin comme son frère et que monsieur est responsable de sécurité. Et ça à dire comme conseiller stratège, etc.
Donc, il y a eu des discussions entre Jovenel Moïse et certains membres du secteur privé des affaires dans un espace profond, côté où tu as discuté, etc. Et certains membres du secteur privé avaient même menacé le président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris pourquoi Zéphiré n'a jamais réagi, ou du moins, le juge d'instruction cherche encore Zéphiré. Tu peux le dire à Zéphiré que le juge le cherche, parce qu'on a besoin de comprendre certains bagages qui étaient passés autour de cette rencontre entre Jovenel Moïse et certains membres du secteur privé des affaires, Libéris. C'est pour qu'on ait fait que nous tous, pas des mêmes profils, nous tous pas réagir même gens par rapport à un événement. Adouan, c'est pour moi qui parle dans la radio, c'est pour moi qui fait tout, même comme qui a fait tout, etc. Même parce que sûr que si nous, il a Adouan demandé une information comme ça, c'est le bien de la parole. S'il vous plaît, dans la rencontre présidente. Dans la rencontre présidente, il y a un secteur. Je ne peux pas poser la question, ça, je ne connais pas. Comment? Bon. Pardon, je ne parle pas même d'avant, je ne pas tant. Oui, c'est où je me pose la question, ça. Oui, non, je peux essayer, mais pourquoi il n'y a pas de réponse sur ça? Oui, mais c'est même avec nous toutes, Adouan et il y a un monde qui était pro-champion président, donc il a affecté, en fait, par ce passé, d'un point de vue personnel et humain, et d'un point de vue aussi politique, c'est sûr. Ok, ou un candidat, l'élection. Et non, je candidat pour Kounia, je peux continuer à écrire les livres. Bon, bon événement qui passe, alors c'est le meilleur monde qui parle, pour parler de ça. Mm-hmm. Et on va remarquer que pendant Jovenel Moïse, j'ai écrit 4 livres pendant 4 ans Jovenel Moïse. C'est-à-dire que je passe en pile de temps, et réfléchir, à écrire et tout. Mais où est-ce un projet avec le président? Comment on dit un projet pour combattre le président? Comment on dit, Rinal? Oui, nous avons un projet pour nous décrire mémoire président d'expérience politique, malheureusement, bon, on ne peut pas écrire encore, mais nous avons un projet d'écriture autour de derniers événements politiques. Okay. Je vais le faire pour le pays, je vais le faire pour l'histoire, parce que je sais que les gens, parfois, en fait, n'aiment pas ou n'osent pas dire, n'osent pas partager leur vécu, leur expérience, et je pense qu'en fait, le vécu, l'expérience des autres peuvent servir et les générations futures. Donc c'est dans l'esprit ça que évidemment m'a réalisé le projet ça. Okay, dernière question, c'est pour moi-même, oui, et pas pour moi non. Ben, pour moi-même, dernière question. Et moi t'as aimé qu'on est, et Rinal, est-ce que vous pas senti quelque part des franges importantes de population qui a souffri et qu'il n'y a pas eu de réaction? C'est-à-dire les gens nous étaient surpris de assassinat, gèlèg en structure mafieuse qui prend nous de court parce qu'il n'y a pas eu de réaction d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'on n'a pas pensé, Mounier, jusqu'à présent, pour qu'on sorti de disparition brutale du président Jovenel Moïse? Mounier est totalement, en fait, assourdi et traumatisé. Essayez pas là avec des cadres. Non, cadre intermédiaire, comme si des professeurs et l'école, pas mon qui est dans la politique, professeur à l'école, mon qui dans les professions et médicales ou les paramédicales, il y a tout bien mon qui pas dans la politique du tout, qui ont crié. Ils ont crié parce que non seulement par rapport avec choc là, mais par rapport avec idée ou le journal Moïse. Parce que il y a une manière, quand on a les politiques, c'est pas tout passé à faire pour nous, il y a pas occupé, il y a même pensé que c'est arrogant. C'est qu'en fait, et politique moderne, il fait avec des outils comme sous mesure et tendance, le président parle fond bagaille, regardez pour effectivement qui est en population, ça, etc. Il y a des outils statistiques qui sont disponibles depuis années 60 et que vous mobilisez. Le nègre protoconsu a parlé en pile et contre Jovenel Moïse. Mais la population haïtienne est profondément attachée, était profondément attachée à la personne du président. Parce qu'il était resté yo. C'est président qu'on aime dire là, c'est on qui sont dans le mi-temps avec une président que conditions politiques faites en Haïti, conditions économiques en Haïti, pas à permettre, en qui n'a pas prédisposé Jovenel Moïse pour devenir président. Parce qu'on a Haïti, n'est qu'avec un président, peut-être que son nec qui gagne un parcours intellectuel, même si c'est petit malhéré, ou bien son nec qui est petit grand nec, etc., qui gagne une opinion sur lui. Et ça fait mon estime que Jovenel Moïse a des caractéristiques sociales pour le président. Mais là, mon yo, il y en a qui sont dans le temps comme ça, c'est comme ça, tuer
et monsieur, c'est comme ça, comme si nous retirions la ville. Comment ça ne vous pas ça choquer la population? En plus, si on fait une promesse fallacieuse, qu'on est conseil de politiciens derrière maman, disons que depuis que Jovenel Moïse parle, tout paraît pas changer dans le pays. Et puis, nous avons vivre en situation qui vient pire mal des gens de Jovenel Moïse. Là. Donc, forcément, ça atteint nous dans le plus profond nous-mêmes, ça atteint nous d'idées ou bien de politique. Nous avons fait un conseil de discours de Mounia fait sur question politique, comme si quelqu'un qui n'a pas rien du tout pour petit, je ne touche avec question politique. Parce que pour ça, il va se passer là. Donc, forcément, je pense que le peuple prend un pile de temps pour sortir dans ça, mais. Et puis bon, gens pour accompagner le peuple là, pour le sortir dans ça, c'est que nous créons un pays pour plus jamais pour ne pas assassiner un président. Pour Jovenel Moïse, et plus jamais pour ça, Jovenel Moïse a combattu pour ne pas exister encore dans le pays. Parce qu'à ce moment-là, nous avons le peuple là en espoir, nous avons dit que Jovenel Moïse n'est pas mort pour rien. Mm-hmm. Bon, et Rénal, peut-être ces dernières questions, hein, et nous on est ou pas déconnecté de politique là, et même lorsque ou pas exercé de manière active. Les gens s'attendent longtemps, mais on suit tout ça qu'a dit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias. Et ces derniers temps, avec dégradation sécurité paysan, mon yo rend responsable, Jovenel Issio, PHTK, yo dit c'est si gang yo puissant comme ça, non pas innocent, nous te ba aux armes, et même par exemple, barbecue à travers ces différents discours, yo ouais. On certains libérus, par exemple, comme idéologue, parce qu'on dit discours ça, semblé, bah, libérus écrit. Qui ça va dire, mon ça, libérus? Belle question. Bon, moi-même, ma question commence par cinq questions. Et, ma question, pas qu'on pour vous, Manuel, mais ma prends Gary avec Val, comme nec qui sont dans sciences politiques. On sait de terminologie, comme si on fait analyse de discours. Mm-hmm. On sait de terminologie, pour monde qui est spécialiste de sciences politiques, on sait de terminologie tant qu'on ne va pas chercher pour mettre nos textes. On a besoin, normalement, j'en ai eu, j'en ai étudié, après, ou même pour l'étudier après. Donc, si on ne sait pas ce que vous parlez, parce que vous avez plus parlé que vous l'avez. Mais vous avez une opinion sur, mais vous avez un mot écrit, ça n'est pas intéressé, parce que c'est trop long. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas qu'être négatif. D'ailleurs, moi, on est avec un ami, et puis on est amis par le cul. Et puis il y a parlé de discours avec vous, c'est ça. Les gars, est-ce que c'est discours ça? L'autre négatif peut-être sous speaker. Vous savez, avec cette expliquer, Nagyo, comme si sous prend un médecin, par exemple, ou un conseil de pathologie, la gué exactement notion, le concept, tout cela parler de lui, c'est ça la utilisé. Si on parle de questions politiques, de questions révolution, de questions. Bon, c'est de concepts naturels là, quand même, on va bien sortir. Et en fait, si on veut faire analyse discours, franchement, parce que faut que monsieur fait pour ça. Si monsieur l'université, fait le pour vous. Si c'est l'université, il faut que l'on voit ça. D'entrée de jeu, on voit ça, parce que bon, c'est de concepts qui étaient en bas, moi, n'est pas utilisé dans le discours en Haïti, naturellement pas utilisé, parce que c'est mis en sens politique, comme si on pratique. Et là-dedans. Et l'autre question, attendez. Pourquoi moi-même, quand je parle à vous là, comme sous parole, je n'ai pas de numéro de téléphone sur le téléphone, moi, qui fait numéro au monde qui est impliqué ni de près ni de loin une activité et banditisme, gang que je connais. Ça arrive que vous impliqué, oui, que je connais. Ça veut dire pour nous tout qui ça. Donc, bon, c'est de monde qui a fait politique, n'importe qui j'ai en Haïti. C'est-à-dire, tout ça qui a passé, par exemple, ou t'as de nous là, si c'était l'autre politicien qui a parlé à vous d'aller là, ou t'as de ça, il y a un peu de gang, oui. Oui, parce que c'est facile. C'est facile. Vous dites, non, qui est derrière Ariel Henry Gagné aujourd'hui là pour celui qui est responsable de gang, expliquez. Regardez, même dire, ou dit, non, monsieur, cité, et ou gagné, non, monsieur, cité, pas vous l'avez dit. Oui. Mais l'autre a parlé de Paul Denis, vous comprenez? Pas vous l'avez dit le coupable. Yeah, c'est ça, c'est donc, ça. Je dis qu'Ariel Henry, c'est assassiné le président. Je dis qu'Ariel Henry a assassiné le président. Je dis que non, cité. Non, cité, exact. Donc, conseil de mon Haïti, ça, vous faites, vous tuez politique, vous découragez, vous faites politique. Qui fait c'est par une pièce valeur. Regardez pour qui j'en dit qui pèle sorti facilement dans la question qui d'abîme. Vous comprenez pourquoi ça sorti aussi facilement? Parce que il te un discours en bien pour montrer que le monde qui n'a politique n'a kidnapping tout. Exact. Si le monde n'a politique n'a kidnapping, donc c'est le skitel, bon d'abord dit ça, qu'est-ce que ça a changé? Rien. C'est pas dire que nous avons le coupable dans le bagage. Non, oui. Mais oui, le fait de faire protester non comme ça, il est en pile difficulté, il est obligé de missionner. Mais comment on a ici, nous banaliser tout bagaille, c'est la banalisation du mal pour utiliser un mot en philosophe allemand.
nous banaliser le mal devient normal en Haïti. Et ça fait que le cas décidé là, on dit Lubéris s'est volé. Et puis si Lubéris s'est volé, bon, Jean-Lubéris a fait poser à s'est volé, bon, si Odigari volé, tout bon, si Lubéris volé, c'est pas très grave. La banalisation du mal, il faut arrêter. Donc, activité qui a mis population, activité économique. Est-ce qu'on connaît le pays local là? On connaît mon volume de boisson, de l'argent sur eux pour qui ça? Parce qu'on n'est pas capable de manger, ni balayer, ni balayer. On n'est pas capable, oui. Donc, c'est que c'est qui intérêt au monde qui est dans le gouvernement, aujourd'hui là, ou bien hier, gagner pour c'est lui-même qui mettait gang pour empêcher le gouvernement de fonctionner dans le contexte que le gouvernement a supposé tomber. Dans le contexte normal, si monsieur, qui n'a dynamique partage gâteau, je veux dire, si il n'y a pas de gâteau, il tape un petit mot sur Payo. Il tape dit dans son coalition pour végétariel parce que le pays a été bloqué, j'en ai bloqué à la rue. C'est parce que vous avez espoir que gâteau après le bail. Il a dit si elle font hostilité en face à Ariel et que Ariel pas tombé, il va perdre ce bout de gâteau Payo. C'est ça qu'il faut. Parce que ça se passe là. On peut se passer 3 semaines, sinon plus, sans carburant. Côté que situation, monde qui est dans l'hôpital, aggravé, on fait des secteurs vitaux dans l'économie, aggravé, conséquence à nous pas gagner, puis devant, son récession extraordinaire. Qui gens, qui intérêt gouvernement gagne ça? C'est même gens, et vous pas tête, monde, yo lock pays, yo bloqué sur Jovenel Moïse, qui a pris une croissance. Attendez, si Haïti pas une croissance, je veux dire, Ariel Henry, a fait parler quand même, à titre personnel. Donc, conseil de action, on ne peut jamais entendre nous entrer là. Je vais profiter de ça pour journalistes. Qui parfois ont des gens dû à eux parce qu'ils pensaient que nous avons supposé poser action, bloquer la rue et empêcher de fonctionner. Ils ne peuvent pas utiliser modalité, ils ne peuvent pas utiliser ça, André Michel qui va jamais gagner pièce élection, ils ne peuvent pas utiliser son seuil de monde qui dit au populaire qui va jamais gagner pièce élection, pas mal l'élection, qui va jamais gagner pièce partie qui gagne élection, ils ne peuvent pas utiliser le même mode opératoire pour empêcher la population de vivre. Donc, je vais vous message ça à nous, messieurs, dames. Non, on a utilisé l'autre mode opératoire parce que Ariel Henry n'a pas de légitimité qui peut mêler. Mais si c'est ça, ces peuples-là pas souffrir plus. On ne peut pas contribuer à ces peuples-là souffrir plus. Nous devons poser des actions pour nous permettre aux peuples à comprendre et puis pour nous aller à l'élection. Nous ne devons pas faire un gâteau. Okay. C'est une élection pour nous pas pouvoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Vous pouvez tout le temps pour vous bien content et compliment pour. Et capacité qu'on gagne pour analyser et puis j'ont tapé changer avec nous. Nous-mêmes nous croyons que le pays a mandé pour tout le monde qui gagne valeur compétence peut-être ensemble pour nous sortir du pays dans le dilemme que l'IA. Non, il fait 4 heures sous scoop. Merci. Il fait 4 heures sous scoop. Nous Gary, allons continuer. Je vais te dire un seul mot. Et merci Gary. Et Gomba a fait un scoop. Et parfois, mon n'a pas eu ça. C'est que vous permettez une série de jeunes qui. Et pas de cas arrivé, pas de 30 ans pour arriver dans le niveau aujourd'hui, c'est parce que vous voulez comprendre ça. Parce que bon paquet de monde en Haïti, c'est bloqué ou bloqué et jeune pour émerger. Moi-même, je suis dans l'ubérisme, je fais un paquet de parcours avec, je fais 40 ans là. Je fais un volume de parcours, je fais un volume de parcours, je fais un volume 60 ans. C'est parce que bon monde, ou il y a des monde, à un moment de parcours qui est bon passé. Bien, mon nom est passé, mais c'est l'autre monde pour exemple là, et compliments pour ça, et compliments pour ce coup, qu'il y a de la méchée. Merci, Bulle. Sur Radio Alpha 4, elle te parle informé nous. Bonne nouvelle. Allez.